Tout le monde, ça fera coller Goman pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation d'un nouveau mock. Qui est là, on l'a. Il s'agit du parc. Un parc en fait que je mets dans la ville. Alors, je vous présenter dans les détails. Voilà la vue générale du mock. Attendez, ça sera mieux comme ça. Voilà, c'est un pack 32 par 32 que j'ai acheté hier, je crois. Alors, on va commencer par l'entrée. Avec deux barrières à côté. Plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas pu faire de chemin parce que j'avais pas assez de pièces. Parce qu'en fait, là, ce côté-là, ça va à la plage, là. Il n'y a pas de mur. Mais je vous montrerai tout à l'heure dans la ville ce que là, ça donnerait. À la fin de la vidéo. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, alors, on va commencer par ici. Avec un garde-côté, voilà qui veut s'asseoir sur le banc et le banc que j'ai fabriqué moi-même. C'est tout le long là, j'ai fait un mur blanc parce qu'en fait ça sépare en fait les astronautes. En fait, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ici, il y a une sorte de poubelle. Là, il y a un bac à fleurs avec un gamin qui fait du skate à côté. Là, il y a un petit arbre, un petit arbuste. Ici, il y a mon marchand de glace que j'ai mis là. Bon, j'ai pas mis une figure pour l'instant. Pardon. Attendez, c'était sale là. Ouais, j'ai pas mis une figure pour l'instant, mais j'ai mis dans le parc pour faire stylé. Ici, j'ai un personnage Lego minifigure. Ouais, je les ai mis dans le parc. Là, j'ai mis un petit peu de relief. Vraiment un petit peu, mais ça fait assez beau quand même. Avec un petit arbre au-dessus. Ici, j'ai mis une sorte de plante. Là, il y a un sapin rouge, je sais. J'ai plein de sapins rouges dans ma ville, mais ça sort de l'ordinaire, on va dire. Ici, il y a un gobelin, qui est aussi un des personnages Lego minifigure. Il y a un chien qui court, ça, je sais pas où. Il y a un cycliste qui fait le tour du parc. Ensuite, là, il y a un autre petit arbuste. Et là, il y a un palmier. Il y a un palmier, voilà. Je vous ferai le tuto du palmier, je pense, mercredi. Parce que j'ai déjà mis dans un bock. Je me rappelle plus quel c'est. Voilà, je crois bien que j'ai un peu plus tout présenté hein, pour ce bock. Alors, je pense que je vais commencer à mettre des plaques dans ma ville. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait changer beaucoup la ville, les plaques, les gars. Par exemple, j'en mettrai devant la ferme, je pense. Et j'en mettrai. Je verrai. Voilà, j'en mettrai, je pense, sur parking aussi du commissariat de police et les pompiers. Mais c'est pas tellement sûr. J'y réfléchirai. Et aussi, voilà. Par contre, les plaques de route, ça sera pas encore pour tout de suite. J'attendrai un peu. Donc, il faut vraiment énormément de plaques de route. Ça coûterait super cher. Parce que ma ville est très grande. Ah, c'est pas qu'elle est grande, mais elle est très étendue en fait. Voilà, il faudrait beaucoup de plaques de route. Bon, ensuite pour ce qui est de l'avenir de ma chaîne, bah, je ferai une idée de ma ville au mois de décembre avec la neige. Ce sera assez beau, j'ai acheté quelques trucs pour la neige. Et si avec la décoration de Noël, je fabriquerai des petits sapins et tout. Voilà, ce sera assez beau, je pense. Je ferai ça vers le 15 décembre, je pense. Même le 10 décembre, et j'en ferai encore une autre plus tard, au mois de janvier, quand j'aurai eu des cadeaux de Noël Lego. C'est-à-dire qu'il y aura deux updates de ma ville en 2 mois. Alors, ça fera pas mal quand même. Parce que là, j'ai pas mal changé depuis l'update 5. J'ai rajouté pas mal de trucs. C'est tout le parc, hein. Je vais vous montrer une petite photo du centre-ville à la fin de la vidéo. Moi, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à aimer. Et aussi, je vais revenir sur la terrible attaque qui s'est passée à Paris vendredi soir. Ben, je voulais rendre hommage aux personnes décédées et à leur famille. Bon, voilà. Allez, c'était Franck le Legoman. Allez, salut!